Bonjour, ici Brother Fishing. Donc nous revoici pour faire une petite session d'une matinée au lac du jet d'eau sur Grande-Synthe. Aujourd'hui, ce matin, je pêche en solo. Donc peut-être Maxence va passer me voir ce matin. Donc voilà, j'ai décidé de mettre deux cannes. Les places habituelles. Dans le trou juste en face. Et dans le trou juste là, entre les deux gros les gros troncs en surface. Donc dessus, je pêche à la bille Hot Demon. Sur celle-ci, je pêche à la bille Hot Demon avec un petit maïs fluo jaune. Et celui-là, je pêche aussi à la Hot Demon, mais avec un maïs fluo rouge. Donc dessus, c'est le même amorçage que la dernière fois. Là, c'est des pelés 4 mm halibute avec des pelés Hot Demon. Et quelques baby corn épicés dessus. Donc voilà. À mon avis, je suis déjà venu aussi à Marseille hier pour préparer mon poste. Hier en fin d'après-midi, je suis venu amorcer. J'espère que le poisson il bougera. Donc voilà, je verrai bien. Je prendrai plusieurs vidéos au cours de la matinée pour voir si j'en ai fait ou pas. Donc voilà, j'espère quand même taper ma première carpe de l'année. Donc voilà, peu de temps après avoir mis la dernière ligne à l'eau, premier départ et première carpe de l'année. Donc une belle commune. Pris avec le maïs fluo rouge. Donc voilà, j'espère en faire d'autres. Donc voilà, je viens de remonter mes deux lignes juste après mon poisson. Je les ai reposées. Donc maintenant, j'ai réamorcé aussi avec... pareil que qu'est-ce que j'ai fait avant en début de pêche. Donc voilà, j'espère faire un deuxième poisson. Et pourquoi pas faire un plus gros que le premier. Alors le premier faisait 5,5 kg. Donc une belle commune. J'espère continuer ainsi. Et pourquoi pas taper le deuxième fiche de l'année pour la team, ce serait bien. Donc voilà. Je vous reprendrai encore en vidéo après pour voir si j'ai fait un poisson ou quoi. Mais en tout cas, chose à dire aussi, c'est quand... ma carpe était posée sur le tapis, la deuxième canne commence à jouer. Donc j'ai quand même préféré la remonter pour remettre aussi de l'amorçage, pour changer l'appât. Donc voilà. Donc on verra bien si je vais en refaire une ou quoi. Voilà, encore 35 minutes de pêche. Plus de touches, ni touches de retour, plus rien, pas un seul bit. Normalement, ce tape, j'y retourne avec Valentin. On va essayer d'en ressortir une autre, en espérant quand même avant la fin de la pêche que je vais redérouler une pour faire la deuxième de l'année. Donc voilà, mais normalement ce tape, de toute façon, on y retourne. Moi je pêcherai toujours à la même place et Valentin, après je sais pas comment il va mettre ses cannes. Donc voilà. Je vous retiens encore au courant dans 35 minutes du résultat. Nous revoici pour la deuxième partie de la pêche, donc l'après-midi. Valentin m'a rejoint. Moi je suis venu pêcher ce matin. J'ai toujours les mêmes spots. La petite trouée là, la petite trouée juste en surface. Toujours pêcher à la bille de démon avec des maïs fluo. Dessus, c'est un amorçage fait au pelé de démon, au baby corn épicé et au pelé halibut. C'est vraiment le même amorçage que ce matin. Maintenant, je vais laisser Valentin expliquer ses lignes et ses postes de pêche. Moi, la première ligne là, c'est au dernier sol pleureur, mais entre le deuxième et le troisième. Je pêche à la monstre à crabe. Je vous ai présenté les monstres à crabe dans la vidéo précédente. Et ma deuxième, amorce à la monstre à crabe. Et la deuxième, et situé où il y a le petit jouet pour chien là, en surface il va vous faire monter pendant la vidéo. Je pêche au pelé ring, c'est des pelés à base de krill et amorcé au krill. J'ai déjà eu une petite tirette, je vais pas tarder à la remonter. La pêche est finie, on a tout remballé. Valentin cet après-midi a eu un départ. Malheureusement il a loupé. Et après on a eu pas mal de tirettes. Rien de concret.
Donc voilà, donc moi ce matin j'arrive à tirer une carpe. Et cet après-midi, à part une touche pour Valentin qui la loupe et pas mal de tirettes, rien de plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Brother Fishing.